Hier j'ai un peu déconné poto, je vous dis la vérité. Mais bon c'était pour la bonne cause. Je sais pas si vous étiez au courant, mais hier il y avait un event. Bon vous devez pas être là parce qu'il y avait pas grand monde, mais c'était un event de dingue. Ah cerise, elles sont bonnes, bien grosses, bien noires, bien bombées. Je peux t'en déglinguer un bol. Hein. Non mais c'est, on peut plus prononcer le mot noir sans éveiller les soupçons de la population. Mais je comprends pas, j'ai l'air d'être un homme primitif. Attendez, je contracte un peu les épaules. Qu'est-ce qu'il y a? À un moment, Dwagby il a mis un coup de coude à un mur. Voilà, j'étais mort. Je sais pas pourquoi il a fait ça. On est en train de faire un raid. Tout le monde, les dons. Ouais, ouais. Dwagby il se retourne. Il se retourne, il fait ça dans le mur. Il y a les agents techniques derrière. Oh! Je sais pas pourquoi il a fait ça. Tout ce que j'avais sous la main, je le jetais. Regardez. Pourquoi, Doc? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Et à ta santé, mon frérot. Et félicitations pour toi et madame Nathéos, du coup. Merci. En plus, couleur rouge, couleur de l'amour. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, ça détrône. Oh, le dentifrice. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. Oh. Ah, jamais. Je comprends pas. Non. Non franchement j'ai beau goûter, regoûter franchement. Il y a même un petit arrière-goût de plastique. Merci petite devinette. Attends bah tiens je vais lire ta devinette, j'aime bien les petits jeux. Wesh BG, j'ai une petite devinette pour toi. Je suis bleu, je suis Hitler, je fais à manger. On m'a jamais eu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'excuse personnellement et profondément au président de la République. Le président nous a sucé la bite sur Twitter. Il a sucé qui à part nous? Personne. Sous l'euphorie, mes propos ont un peu dépassé ma pensée. Je ne voulais pas dire ça, monsieur Emmanuel Macron. Je suis désolé, je suis allé un peu trop loin. Mais vous devez comprendre que c'était pour la bonne cause. C'est des paroles qui m'ont échappé. Et j'espère que je vais pas me faire un whitelist de la France. Parce que franchement, ça m'emmerderait. Je suis désolé, monsieur Macron. Mais je suis quand même un peu déçu de vous. Parce que la vérité, vous auriez pu venir. Je sais pas ce que vous étiez en train de faire pendant ce Z-Event, mais franchement, on aurait apprécié votre présence. Nous, on a vu pendant la Coupe du Monde, vous êtes partis dans les vestiaires pour saluer les footballeurs. On aurait bien aimé que pendant le Z-Event, vous veniez pour nous saluer, tu vois. Faire un petit coucou sur les lives. Moi, j'aurais bien aimé voir Macron sur un Night Tracker. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait été bien marrant. En fait, t'essaies de justifier parce que tu kiffes regarder ta daronne nue, mec. Genre, c'est toi le fou dans l'histoire. Mais non, je la regarde plus. Mais mec, j'avais genre 8 ans. Ok, je résume. En gros, Elias ne veut pas voir sa daronne nue. Ouais. Nathéos veut parce qu'il est ok avec ça. Non, il veut pas. Bah, si, tu veux. Il l'a déjà vu. Ah tu veux pas? Non. Ok bah je pense que tu veux pas parce que t'as peur de bander. Ouais. Peut-être ok. Oh mais t'es fou ou quoi? Bah oui mais toi aussi du coup. Mais non. Si je t'emmène avec moi là. Non mais non. Ah bah si frérot. Non, tu m'emmènes. Attends, non, attends, t'emmènes, mais tu as pas le droit de t'emmènes de personne. T'emmènes, t'es tout seul. Mais frérot. je t'emmène toi frère. Mais non, non, emmène ta daronne. Non moi ce que je dis c'est que j'ai déjà vu son corps et ça me dérange pas de l'avoir déjà vu. Alors que toi ça te dérangerait parce que peut-être que tu te dirais oh. Non ça me dérange parce qu'il y a plein de gens que j'ai pas envie de voir tout nu. Genre le pape, j'ai pas envie de le voir tout nu. Pourquoi? Parce que c'est le pape. C'est un être humain comme les autres. Ouais bah j'ai pas envie de voir un être humain comme les autres tout nu. Wesh. Wesh, Sinjed? Non, il va sauter. Quand il fait ses têtes, c'est qu'il va sauter. Mais tu, frérot, tu veux sauter où en fait là? Là, tu regardes le plafond, mec. Tu veux sauter où? Y a rien à sauter, Sinjed. Tu ne peux pas sauter, mec. Non, quand il fait ses têtes, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare là. Qu'est-ce qu'il y a? En gros, j'ai volé quelque chose à quelqu'un. J'ai volé quelque chose à quelqu'un parce qu'on m'a dit que ça valait super cher et je suis un peu en hesse dessous à cause du Z-Event. En fait, comme j'ai pas reçu de dons, et bah je me suis dit je vais voler des choses qui ont de la valeur, tu vois. Et j'ai volé des cartes Pokémon. Mais j'ai pris que des cartes de fou. Hein. Je les ai prises sur le bureau de Michou. J'ai pris celle-là, mais je sais pas si c'est un Pokémon de fou ou pas. Il s'appelle Mew, M-E-W. Je sais pas si c'est un bon Pokémon. J'ai pris ça. J'ai pris lui, il s'appelle Ho-Ho. Pareil, je sais pas si c'est un bon Pokémon, mais tout. J'ai pris que des cartes qui brillent. Hein. J'ai pris que des cartes qui brillent. J'ai pris lui, c'est Groudon. On voit pas trop Groudon, pareil. Il est ectoplasmique, je crois. Les cartes qui brillent, ça s'appelle comme ça. Et lui, Zekrom. Donc, moi, on m'a dit, il y a des cartes Pokémon qui valent jusqu'à 50 000 euros. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai sauté sur l'occasion. Est-ce qu'un modérateur du chat peut me faire une petite estimation du prix, s'il vous plaît? Les
Les refs, je vous jure que ça, c'est l'adrénaline, les mecs. L'adrénaline, ça peut pousser quelqu'un à faire des trucs bizarres. Le coup de coude de Dwagby dans le mur, c'était de l'adrénaline. Qu'est-ce qu'il y a? Tu bandes, frérot? Mais t'es malade, toi. Là, je bande, là. Là, je bande. Mais t'es un malade. Si je bandais, frère, ça ferait au moins ça, mec. Au moins. Au minimum. Et j'ai sucé toute une équipe pour ce cheval. Si tu savais le nombre de bits que j'ai dû gober pour avoir ce stuff, j'ai tapiné pendant 45 minutes. T'as vu cette île? T'as vu cette île? Et bah, la reine des putes de cette île, c'est moi. T'as vu, Luffy, il veut être roi des pirates. Bah, moi, je vais être la reine des putes de cette île. C'est bon? Attends, il y a un truc qu'on m'a dit, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. À ce qui paraît, t'as ramené À la maison, t'as dit? Là, attends, t'es mute là ou pas? Ouais, je suis mute là. Ouais. T'as ramené une meuf? Ouais. Elle était bonne? Ça va. Tu l'as baisée? Ça va. J'étais pas mute. Ciao. Quoi? Fils de pute. Non. Non. J'étais pas mute. J'étais pas mute. J'étais pas mute. Oh merde. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'es prêt? Ouais. C'est parti. J'aime trop. C'est à quoi ça? Ananas. J'aime trop. Ouais, c'est cool. J'aime trop. Mais wesh, c'est cool. Franchement, c'est cool. Un verre pas plus. Hein. Ouais, un verre pas plus. Mais ce verre là, franchement, il est lourd. Ouais, c'est Ah ouais, ça tue sa mère. Après, pas à table. Moi, je le prendrais pas à table. Moi, ce serait un verre de goûter. Non, mais attends, il y a des gens qui pensent qu'on surjoue. Les refs, ce n'est pas sponsor, les mecs. Le Fanta, c'est légal qu'on a vraiment. J'encule Fanta. Le Fanta Tiens, cerise, Fanta. On l'a vraiment trouvé mauvais, tu vois. Bah oui, le Fanta cerise est dégueulasse. Celui-là, lui il est bon. Franchement. Ouais, 7. Ah oh non, monsieur. On était tous sur le setup de Zera et on criait quelque chose, on criait tous la même chose. Et Dwagby, il voulait changer ce qu'on criait, tu vois. Alors il a levé sa main comme ça, en mode attendez. Tout le monde s'est tu. Tout le monde. Mais les gars, vous. Les gars! Je pense vraiment que ce mec a le haki. Je vais pas te mentir, je suis autant une bite que toi ici, d'accord? Vraiment. Ah ouais, t'es une bite? Si t'es une bite, on peut s'arranger, hein? Non. Non, pas dans ce sens-là. Dans tous les sens. Va te faire foutre. Ok, là il repète un plomb là. Là il repète un plomb. Je ne sais pas ce qu'il fixe en fait. Non, il va sauter, je le connais. Oh. Mais t'es bloqué, on fait comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça s'est très très mal passé avec Magla et Dejna. Je vais vous dire pourquoi. En gros, est-ce que vous avez vu, j'ai fait un TikTok où je suis dans le hall de l'hôtel et je cours dans la chambre. Vous l'avez vu celui-là ou pas? Je cours dans le couloir, je fais des allers-retours avec des sacs. Et ben en fait, ce que je savais pas, c'est que Magla et Dejna, elles avaient une chambre qui était juste en face de la mienne. Et moi, mes TikTok, je les tourne plusieurs fois, tu vois. Alors pendant 10 minutes, j'ai fait des allers-retours. Comme ça, j'ai fait des allers-retours. Et ce que je savais pas, c'est que Dejna, elle me regardait par le trou de la serrure. Mais elle me l'a dit qu'à la fin de l'event. Elle m'a appelé à la fin de l'event. Elle m'a dit, bon, écoute, voilà, Elias, j'ai pas osé te le dire, mais moi et Magla, on t'a vu par le trou de la serrure. Et on voudrait savoir si tu vas bien, parce qu'on t'a trouvé un peu bizarre psychologiquement. Tu faisais des allers-retours dans l'hôtel, tu faisais trop de bruit, tu nous as réveillés et tout. Et du coup, je lui ai expliqué le pourquoi du comment, mais elle me prenait pour un fou. Non mais rendez-vous compte, vous êtes invité à un event, vous regardez par le trou de la serrure, il y a un streamer qui fait des allers-retours avec deux sacs. Elle a dû me prendre pour un dingue, sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a? Et t'inquiète poto, je suis pas pressé, je tape la prod, je vais la violer, j'hésite du vert ou du viol, mais je vais partir sur du doré, je découpe ça le gros, nique les pédos et les BD, ici ça parle peu. Ça va pas, non? T'es malade ou quoi? Oh, un beau garçon. Deux grands blacks, rien que pour moi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y avait tout le monde au Z-Event. Et il y a un petit con qui a appelé, qui a donné l'adresse et qui a dit il y a une bombe, tu vois. Et du coup, les flics, ils sont venus. Ils ont sorti tout le monde de la salle. Et au moment où tout le monde est sorti de la salle, c'est le moment où moi, je suis arrivé. Je suis arrivé, de base, la police, elle voulait pas me laisser rentrer. J'arrive devant les flics, je dis ouais, excusez-moi, je fais partie de l'event. Est-ce que je peux rejoindre les streamers? Parce que j'étais du côté des viewers de la foule, tu vois. Et ça marcelait un peu. Et le flic, il me dit non, tu rentres pas, toi, t'es pas streamer. Je dis mais si, monsieur le policier, je suis streamer, je bosse ici, tu vois. Il me dit ah ouais, vas-y,
dit fais-moi une blague. Alors moi le flic je le regarde, je fais une blague et il rigole pas. Il me dit non toi t'es pas marrant, tu restes dehors. Du coup j'ai attendu dehors, ça me tire par le col, ça me fait des photos et trucs comme ça. Et le mec de la sécu il me reconnaît et il va voir le flic et il lui dit non 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 lui c'est vraiment un streamer, il fait vraiment partie de l'event. Alors le flic il me fait rentrer et tout, on attend dehors. Les chiens ils passent entre les rangs, les chiens ils sniffent les PC, ils sniffent les setups, ils sniffent les valises et tout. Ils ont rien trouvé, ils ont pas trouvé de bombe. Par contre les chiens, je sais pas pourquoi, ils se sont vraiment focalisés sur les affaires d'Amine. Je sais pas pourquoi, les chiens ils ont fait que sniffer les sapes d'Amine pendant une demi-heure. Surtout son pull en laine. J'ai vu un chien de là-bas qui essayait de baiser le sac d'Amine, comme s'il était super excité par l'odeur genre. Après les policiers ont dit bon c'est bon RAS vous pouvez revenir. Alors on est reparti à l'intérieur et on a relancé nos streams. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oh. Super fort. On va se quitter là-dessus les refs. J'espère que ce petit stream vous aura plu. Bon c'était un stream très court mais en attendant vous voyez on est bien sûr on est... Comme Jean-Paul.